Marcus Bonus et bienvenue à la Playroom pour ce nouvel épisode d'Overwatch. Un épisode qui se fait tôt le matin, qu'on peut le voir en haut à droite, hein, il doit être pas loin de 8h30, 8h35 je dirais, à peu près. Tôt le matin, donc nous sommes en partie en quick play, l'event Halloween est terminé. Et je viens de penser à un truc parce que là toutes les RG de son bras commencent à arriver normalement à son terme. Oui si tu veux. Si tu veux. Les RG Sombra arrivent à son terme et par conséquent, un healer, un solo tank, bah je vais prendre ça, hop. Par conséquent, je me pose des questions vis-à-vis de Sombra et il y a un truc qui m'est arrivé à l'esprit, c'est qu'on entend depuis le début que Sombra corrompt les ennemis et tout le monde pense à Sombra personnage, machin bidule truc, ça va être un super personnage, machin bidule truc, capable de faire telle ou telle chose. Et en fait, je viens de penser à un truc, et si son bras en fait n'était qu'un élément RP amenant des sous-loupés, amenant en fait, amenant le contenu PVE. On a pu voir qu'avec cette mise à jour, nous avons eu énormément de PVE sur le jeu, enfin énormément, nous avons eu du PVE sur le jeu, en l'occurrence avec la vengeance de Shackalstein. Et bizarrement, les pouvoirs de son bras, eux, sont semblent fonctionner sur les Omniarchs et sur tous les autres types de robots. On voit Bastion. Et donc, je me demandais si effectivement il n'y aurait pas un quelconque merde. Ah, quel dommage. Un quelconque lien avec tout ça. Et je me disais donc que est-ce qu'il ne serait pas justement possible que son bras en fait soit simplement le teasing d'un contenu PVE potentiel sur Overwatch. Pourquoi pas un personnage mais aussi un contenu PVE Désolé de vous interrompre. Hop. Il me saoule ce. Il me faut des soins. On n'a pas de soins. Bon, c'est pas grave. Je vais repiquer un heal. Hop. Alors je précise, pour ceux qui me sortent que Anna, Tier 1, machin tout ça, elle suffit, c'est un méga heal. Non. Un niveau 19 qui me sort un. Enfin, c'est pas contre lui, hein. Mais un niveau 19 qui me sort un. Ah oh, bah oui, non, mais c'est un super heal. Elle est tier 1, tout ça. Je suis désolé, moi je. Hop. Hop. Hop les. T'apprendras. Oh putain. Mais y'a personne. Bref. Tout ça pour dire que oui, pourquoi ce serait pas plutôt. Oh fourré. Alors quand on voit sur la kill cam, honnêtement je suis pas sur la tête, hein. Je suis pas sûr que ce soit dans la tête. Oui j'ai baissé un petit peu la cam parce que du coup je me tiens jamais droit. Et donc ouais, la question c'est est-ce que justement ce serait pas plutôt un teasing. Le teasing d'un personnage qui. Oh mais ça me saoule. Regardez ça le Genji qui fait rien. Ah. C'est pas la peine, on a zéro heal, on a rien. Que Pouic. Putain. Ah ça me saoule. En tout cas j'espère qu'il y aura un véritable mode qui sera semblable au compétitif avec des gens sérieux parce que. Putain, qu'est-ce que je me fais chier. Et voilà, je vais encore mourir parce qu'on a zéro tank, qui se passe strictement rien. Et voilà, one shot le tank, on l'appelle, parce qu'il sait pas jouer.
Ça c'est pour ma gueule. Hop. Soldat 76 au rapport. Voilà, je suis tout seul. De toute façon, je suis tout seul dans la game. Je suis tout seul. Waouh, je suis tout seul dans la game. Donc ouais, pourquoi pas un personnage qui apporte en fait aussi du contenu PVE, du fait qu'il contrôle les Omniacs. Et que je vous rappelle que dans le contenu PVE qu'on a eu dans l'événement, nous avions eu bien sûr que des Omniacs à affronter en dehors des boss. Et je trouve que ça correspondrait. Oh là là là, regardez-moi ce genre de flèche. Hop, voilà, un ulti fait dans une petite zone comme ça. Génial. J'espère au moins avoir. Oh bah dis donc. Ah bah d'accord, bah je me tape 4 médailles d'or. Non, 3 médailles d'or, 4 médailles d'or. Non, je mettrai pas de points sur un trou du cul qui jouait pas. Hein. Enfin, on a bien vu qu'il était pas du tout attaquant, hein, donc. Ah, on m'a piqué mes médailles d'or avant la fin. D'accord, ok, pourquoi pas. Bon bah pourquoi pas. Hop, alors moi je veux pas rejouer avec eux, merci. Hop, même si je mets une demi-heure à retrouver une partie, c'est pas la peine, je préfère encore attendre. Donc oui, pourquoi pas un contenu PVE qui lui apporterait en fait simplement des combats contre des Omniacs, que ce soit alors peut-être pas des Enyata, hein, je pense, mais plutôt les Omniacs qu'on a vus. Et pourquoi pas des Bastions, moi j'y pense, et pourquoi pas le Bastion première génération, c'est-à-dire le Bastion bouclier. J'y pense beaucoup à tout ça. Ça m'a tilté dans la tête un petit peu dans la matinée, enfin dans tôt ce matin. Et je me suis dit, tiens, est-ce que ce serait pas simplement un moyen d'apporter ce genre de contenu, compte tenu de la réussite qui était le contenu PVE qu'on a pu voir, hein, c'était vraiment un contenu réussi avec de la difficulté. Et bon, c'était pas très recherché, mais j'imagine bien que ça pourrait être tenté. Après, ce qui me fait tendre aussi vers ce genre de choses, c'est que j'ai lancé le PTR hier soir et il n'y avait pas le quick play de disponible. Ce qui me fait penser que potentiellement il pourrait avoir peut-être retravaillé sur plusieurs modes de jeu, peut-être un quick play amélioré, peut-être un mode PVE, etc. etc., etc. Un quick play classique, un quick play semblable au mode compétitif, et un quick play PVE, et pourquoi pas un compétitif PVE. Moi je trouvais ça extrêmement intéressant d'avoir en fait, peut-être pas au niveau compétitif PVE plutôt, mais peut-être plutôt. Préparez-vous à attaquer. On va dire un PVE en mode hardcore, vous voyez, donc le niveau de difficulté qu'on avait aussi dans le PVE précédent. Donc je demande à voir, honnêtement, je demande à voir si je me trompe ou pas à ce sujet. Je suis curieux, c'est vrai qu'il y a beaucoup de petits indices comme ça qui me font tendre vers ce genre de suppositions. Après, ça restera encore une fois des suppositions. Même si la dernière image de son bras montre encore une fois quelqu'un contrôlant des Omniacs. Enfin, son bras contrôlant des Omniacs. Moi ça me fait penser à du PVE, hein. Donc personnellement nous sommes tous des soldats. Je veux bien y croire. Alors on avait un tank et on perd le tank pour une support. Ah, c'est juste pour qu'elle puisse mettre les paniers. Hop, on y va. Il y a dans l'air comme une odeur. Lucio Platine. Oh. Hop, voilà, 100%. Hop. Tu ne récupéreras pas le heal.
Hop. Hop. Tu es dans ma ligne de mire. Je suis prêt. Hop. Rempli de cible. Oh. T'as pas trop peur? Aïe. Merde. Aïe. Aïe. Je me suis retrouvé coincé contre les bouts de bois. C'est dommage. Hop, alors je sais bien quand je fais ça, ça fait très bizarre. Mais c'est juste que je ravance mon siège. Oh là là, ce Reaper qui a piffé ses coups de pompe. En même temps, il y a personne sur le point. Honnêtement, j'aimerais bien. Oh, oh. Hop. C'est combien là-bas? Ok. Quelqu'un a besoin de soins. Ok. Salutations. Ok. Bonjour. Hop. Je ne suis plus les règles désormais. J'aimerais bien qu'il y ait une forme de... Hop. Oh, t'es sérieux là? No, my friend is trying to get an achievement. Alors on a des AFK. On n'est pas aidé, hein. Je suis tout seul dans la game. Bonjour. Donc moi je pense que ça va aller sur un report de masse. Je comprends pas pourquoi je suis tout seul en fait, ça me choque. Si on n'est pas encore terminé. Je suis tout seul. What the fuck? Score 0 à 1. Le vent du nord souffle. Regardez bien parce que je le fais, hein. Et la neige va tomber à flocons ici. Mais... Voilà. Arrêtez. Ah non, mais c'est un poil trop tard. Prêt au combat. Chacal gonflé à bloc. 5 4 3 2 1. J'ai pas peur. Moi quand je dis quelque chose, je le fais. Il est resté à FK, voilà, maintenant il va passer à FK, voilà, parce que fuck it. Du soin. Du soin. Je peux me torcher pour du soin. Bon bah avec une équipe d'abrutis pareil, moi ça me saoule. What the fuck. Pourquoi prendre... Alors attends, l'autre trou du cul, bah voilà. Voilà, donc voilà le genre de partie qu'on trouve en quick play le matin. C'est rigolo. Putain, mais je suis tout seul, hein. Oh la gueule. Bon, eh ben c'est génial, je m'amuse. Alors, AFK, Leavers, Trollers. Il y a du mieux. Lucio Platine. Bah bien sûr, c'est pour ma gueule.
Balint et Atom. Ah, c'est con qu'ils soient parés, parce que du coup, moi, je vais aller les chercher. Ok. Merci. Encore mort. Atom, 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 voilà. Voilà. Je m'embête pas. Chopper, on veut choper. Ah, c'est génial de report dès le matin. Eh ben non. Les gars, pour le soin, c'est ici. C'est génial ce genre de partie. Putain, mais. Meurs. Putain, mais. Oh la gueule. Mais non, ça sert à rien de balancer ton ultime, attends, t'es toute seule. Les mecs sont donnés à cœur joie quoi. Encore terminé. Temps additionnel. Dans ma ligne de vie, dans ma ligne de mort. T'es sérieux? Et en plus, non mais. Tu es dans ma ligne de vie, dans ma ligne de vie. J'adore les dames. Ah, c'est génial ce genre de partie dès le matin. Putain. Ah, c'est génial. C'est absolument génial, je m'éclate. Eh ben écoutez, avant de m'énerver plus que je le dois, je pense qu'on va se laisser là pour ce jeu qui commence véritablement à avoir une communauté de merde. Mais alors, de merde. Donc n'hésitez pas à report tous les trous du cul que vous verrez, que ce soit des liveurs, des trollers ou ce genre de choses. Je sais bien que je troll des fois, bah écoutez, si je troll, si vous me voyez en partie, si je suis en partie avec vous et que je troll, n'hésitez pas à me report, j'en ai rien à cirer moi maintenant. À ce niveau-là, c'est clair que le jeu devient de la merde en boîte. Donc, écoutez. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si vous voyez, si vous souhaitez, tiens, même, vous pouvez même aller... Ouais, non, c'est vrai, faut qu'on ait le truc complet. Si vous le souhaitez, n'hésitez pas, si vous revoyez ces personnages, à les bannir aussi, à les supprimer, les signaler, tout ce que vous voulez. Moi, j'en ai plus rien à cirer de ces gens. Hop, merde, je voulais quitter la partie, tu permets? Crac. C'était Marcus Bonus dans la Playroom. En route vers l'usine Volkan. A plus pour d'autres aventures. J'ai fait quitter la partie les mecs. Hein. Désolé hein, mais j'ai pas envie de rester. Salut. Ouais, génial. La première vidéo du jour, c'est épique.